Ok, il est là. Oui. Oh, c'est un motard. Ok, j'appelle des renforts. J'appelle des renforts. Il y a un vol de supérette qui a été commis. Deux individus ont pris la fuite. Oh, mais ça tire. Ça canarde. Il canarde. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les petits potes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va être avec la petite motocross de la gendarmerie, les petits potes. Là, je me suis perché dans la pompa, les gars. Là, je suis monté sur une colline avec mon dragon, là, carrément. Regardez-moi ça, ce dragon. Il est un peu sale. Il est un petit peu sale parce que là, j'ai pris des petits chemins boueux, bref. Les petits potes, aujourd'hui, nouvelle vidéo avec les motocross de la gendarmerie. J'espère que ça va vous plaire, les gars. Mais avant de commencer cette vidéo, les gars, très important déjà de vous mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, ça c'est la base. Donc les petits potes, faut que je vous parle de ma nouvelle boutique en ligne, les amis. J'ai sorti de nouveaux t-shirts avec un nouveau logo. Regardez, il s'affiche actuellement à l'écran. Petit logo Jugame avec les palmiers, là ça rappelle l'été, il va faire beau, il va faire chaud cet été. C'est parfait ce petit t-shirt là pour vos vacances. Si vous êtes intéressé, les petits potes, le lien est bien sûr en description hein, de ma boutique. Et vous pouvez aussi scanner le QR code là, qui vous ramène directement sur le site. Et faut savoir, les petits potes, que c'est des t-shirts à prix réduit, les gars. J'ai pas pu faire plus bas que les prix actuels là. Et en plus de ça, pendant quelques jours, il y a une promotion sur tous les t-shirts pour le lancement de la boutique. Du coup, il y a une promotion et c'est encore plus réduit que réduit, les amis. Donc là, si ça vous intéresse, les petits potes, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site juste comme ça pour voir ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas que des t-shirts, il y a aussi des serviettes de plage, il y a des tapis de souris et il y a une option aussi de t-shirt personnalisable. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, vous pouvez choisir la couleur du t-shirt, vous pourrez choisir la couleur des palmiers et vous pouvez choisir aussi la couleur de l'écriture. Vous pouvez choisir le logo si vous voulez qu'il soit en gros devant ou si vous voulez qu'il soit derrière ou si vous voulez qu'il soit devant et derrière. Bref, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et si le cœur vous en dit, bah, d'acheter un petit t-shirt ou une petite serviette pour cet été. Par contre, si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous dépêcher pour passer les commandes parce que, à mon avis, il va y avoir le stock qui va diminuer très vite. Voilà. Donc, nous, on va redescendre de la montagne là et on va aller chercher des petites inters. Ok les potes. Oula, oh bordel, mon petit pote peut dire que regardez la puissance du dragon là. On va faire un petit tour dans les vignes parce que là en ce moment, c'est pas des vignes ça d'ailleurs. En ce moment il y a des vols de carburant et tout ça dans les fermes là. Donc on va aller contrôler ça. Ce qui est bien c'est qu'avec la moto on a accès partout les gars. Et puis, oh bordel, j'ai fait toucher la bavette. Oh bah, j'ai fait toucher la bavette les gars. Et là, normalement, regardez, il y a des gars qui surveillent, là, parce qu'il y a tellement de vols que maintenant, bah, faut qu'il y ait des gens qui surveillent les plantations. Ouais, parce que faut que j'y aille doucement, parce que c'est nerveux, cet engin, là. Ah. Oh là, il y a un vol. Ok. C'est parti, mon petit pote, on y va. Il y a un vol, justement. Il y a un vol en cours, justement, dans une... Ok, voilà. Hop, hop, je vais couper. On est en moto. Hop. Oh la vache. Oh la vache. C'est le cas de le dire, les gars. J'ai tapé une vache. Ça commence bien. Oh, par contre, ça, c'est pas terrible. Je traverse des champs comme ça. Attendez, parce que là, c'est où le vol, là? Ouais, bah, faut que je prenne la route, j'ai pas le choix. Il y a un vol en cours. Je suis tout seul aujourd'hui, les gars. Je suis tout seul. Parce que, il y a une mise à jour GTA et ils ont pas encore sorti le scriptbook 5. Donc, tout ce qui est plugging, stop the pen et tout ça, je peux pas l'utiliser. Il y en a, ils l'utilisent, mais je sais pas comment ils font. D'ailleurs, les gars, si vous avez un conseil pour que je puisse utiliser stop the pen, ultimate backup et tout ça, alors que scriptbook 5 n'est pas encore à jour, dites-le moi en commentaire, hein, je serais content de le savoir. Ok, il est en train... Le voleur a pris la fuite. Le voleur a pris la fuite. Oh, bon. Ok. Ok, il est là. Oui. Oh, c'est un motard. C'est le gars... Oh bordel. Oh non, oh bordel. Il y a un motard. Ok, j'appelle des renforts. J'appelle des renforts. Il y a un vol de supérette qui a été commis. Deux individus ont pris la fuite. Deux individus ont pris la fuite. Je répète, deux individus ont pris la fuite. Un à pied et un dans un véhicule. C'est des gens de communauté. Des motards. Ah, il s'est planté. Il s'est planté. Ok, je vais interpeller. Non, je vais interpeller l'autre. Attendez, par contre. Oh bordel. Oh bordel, je sais pas quoi faire. Il y a combien d'individus là? Il y a combien d'individus là-dedans? Ouh, ça tire! Reste ici, toi!
Oh bordel. Oh bordel, j'ai l'impression qu'il y a du monde dans le camion là, non? Oh bordel, reste au sol, reste au sol, reste au sol toi, reste au sol. Mets-toi au sol. Ok, elle est bloquée. Oh, par contre, l'autre, il a pris la fuite. Les collègues se chargent de l'individu qui est à pied là. Moi, je vais aller choper l'autre. Je vais aller choper l'autre. Ah bah c'est bon, il y a les collègues. Oh mais ça tire, ça canarde. Il canarde. Allez hop, on abat. Il tire sur les gendarmes. Il a tiré sur Brigitte. Regardez, Brigitte, elle a pris une balle. Ok, bon. Ouais. On va appeler... Je vais appeler une ambulance. Est-ce qu'ils l'ont chopé, l'autre? J'ai pas l'impression qu'ils l'aient chopé. Oh bordel, ils l'ont laissé s'échapper, je crois, non? Ah ouais, il y a la femme. Il y a la femme. Elle reprend le camion. Descends. Mets-toi au sol. Dépêche-toi. Mets-toi au sol. Tu te crois où, là? Tu crois que tu vas nous échapper comme ça, là? Là, vous avez pas réussi votre braquage. Là, je vous le dis. Votre braquage, il a échoué, hein, malheureusement. Ok, toi. Brigitte, tu me l'emmènes? Hop, mets-toi à genoux. Voilà, mets-toi à genoux. Brigitte, tu me la gardes à vue? Et moi, je vais aller chercher... Parce qu'ils étaient trois, en fait. Ils étaient trois. Et... Alors, attendez, parce qu'ils ont perdu le troisième. Ok, donc là, c'est là que ma moto va rentrer en jeu. Parce que là, l'autre, il s'est échappé dans la pampa. Donc là, moi, je vais essayer de le retrouver grâce à ma motocross. Regardez. Ouh, bordel, j'ai failli faire un looping. J'ai failli faire un looping, les gars. Alors, attendez, il est où? Il y a quelqu'un qui court. Attendez, il s'est échappé ici. Ah, il est là-bas. Je le vois. Il essaie de voler un véhicule. Et voilà, voilà. Je percute, moi. Reste au sol. Tu vas où, là? Voilà, mets-toi au sol. Et voilà, mon petit pote. Ok, bon, bah, c'est bien, les amis. On les a tous chopés. Je vais appeler un transport. Tac. Vous voyez, l'efficacité de la motocross, c'est que j'étais là-haut. Bah, avec ça, je peux monter partout, du coup, les gars. Et là, j'ai pu le neutraliser en un rien de temps. Donc ça, c'est bien. Par contre, il reste un point rouge là-bas. C'est quoi là-bas? Wouhou! Oh, puis avec la motocross, regardez les gars, comment on s'amuse. Oh, bordel! Aïe! Ok, bon, bah, on s'amuse, mais faut... Oh là là, comment je vais faire pour travailler? Attention à ma moto! Attention, on ralentit! Je vais me faire percuter. Oh là 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 là. Ok, ouais, on va prendre ça. GPS tracker. Ok, ça part. Oh, le dragon, vraiment. Faut que je m'habitue, les gars. Faut que je m'habitue à la puissance. Alors là, c'est parfait, les gars, parce que là, on a un vol de véhicules sur la plage, là. Alors là, vu qu'on a les motos, c'est nickel. Encore une fois, les motos, elles passent partout. Et on a eu un vol de véhicules. Alors attendez, parce qu'ils bombardent. Sur le... Ah bah mince, il a repris la route. C'est quoi comme véhicule là? Qu'est-ce que c'est comme véhicule? Ah non, il bombarde là-bas. Ah, attendez. Parce qu'en fait, il y a la puce. Ah ouais, c'est une The voiture. Ah ouais, mais là, ils vont nous mettre dedans. Oh, ah, oh bordel! Il nous tire dessus! Oh bordel! Oh bordel! Aïe, je me fais éclater! Wow! J'appelle le psy et j'appelle le GIGN. Oh bordel. Ils sont où? Ah vache, ils veulent pas s'arrêter. Mais c'est quoi cette vidéo? J'ai appelé du monde, les gars. Là, je peux vous... Oh ouais, mais ça canarde. Comment ça canarde? Ils sont où? Il est là-bas. Waouh, mais... Faut les abattre. Ils ouvrent le feu, on les abat. Sauf la femme. J'abat. Mets-toi au sol. Dépêche-toi. Jette ton arme. Voilà, c'est bien. Attendez, il y a un truc qui crame là, non? Il y a un truc qui crame. Ok, on sort le gars du véhicule là. C'est qui ça? C'est les Chinois? C'est les gangs des Bleus? C'est qui ça? C'est les gangs des motards? C'est qui nous a plombé là comme ça? Comment on appelle une ambulance là? Ambulance. Ok. Alors toi déjà, viens ici toi. Viens ici là. Oh.
Non, tu vas où? Tu vas pas remonter dans la voiture quand même. Vous me l'embarquez celle-là, hein? Vous me l'embarquez là, hein? Voilà, c'est bien, Patrick. Allez, Patrick, embarque-moi ça. Non, je peux pas fouiller le véhicule parce que j'ai rien du tout. Ok, bon. Il y a le nouveau 5008, les gars, regardez comme il est beau. On va faire une patrouille bientôt avec... La semaine prochaine, patrouille avec le 5008 de la gendarmerie. Bref, bon, bah là... Vol de véhicule avec un tracker à l'intérieur. Donc, heureusement qu'on était là parce que sinon... il serait barré, le gars. Fin d'inter pour nous, il y a suffisamment de... Oh, regardez ma moto, regardez ma belle moto. Et heureusement que ça a tapé dans le moteur, là, dans le radiateur, hein. Regardez ça, il y a deux impacts de balles sur la calandre. Oh la vache. Ah bah ils m'ont crevé les pneus. Oh les saligots, regardez-moi ça, ils m'ont crevé les pneus. Oh bordel. Bon bah attendez les gars, je vais changer ma moto et on se retrouve après, d'accord? Parce que là, ils m'ont éclaté là. Ils m'ont éclaté les gars. Bon bah on se retrouve après. Biker evading arrest. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est une mission pour nous. Biker, il y a des motards qui sont évadés, qui prennent la fuite. Ok. Ça, mon ami, c'est pour nous, mon petit pote. On y va. Youhou. Ok, c'est une moto, je la vois. Je la bring. Oh, bordel. Aïe, aïe, aïe. Bordel. Oh, non. Remonte. Oh, là, j'ai voulu faire un truc. Je me suis... Oh là là. Oh, oh puis là, ça part direct. Cet engin, c'est... Là, c'est un cercueil roulant, les gars, je vous le dis. Là, cette moto là, elle a le dragon, elle a le feu carrément, elle arrache le bitume. Hein. Ok, là par contre. Wow, 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 il est là-bas, c'est une moto. Oh, je fais des cascades. Tard les vents de ski. Attention, il y a une vache sur la route, les gars. Ok. Allez, arrêtez-vous, madame. C'est une dame. Elle va se planter. Elle va se planter. Oh, c'est quoi cet engin qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cet engin? Arrêtez-vous, madame, c'est la gendarmerie motorisée, là, vous avez aucune chance. On est des pilotes, ok? Donc vous vous arrêtez, malgré que vous avez un engin du futur, là. Elle va se planter. Wow, elle va me planter, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande... Oh, il y a un sanglier dans la ville. Non, mais... C'est quoi cette vidéo, les gars? Non, mais... Il y avait un sanglier dans la ville. Il était en train de manger les fruits et légumes du marchand. Ok, bah là, ma petite pote, t'es pas sur ton terrain. Moi, je peux te dire... Et voilà! Oh, bordel! Là, c'est terrain de cross. Arrête-toi. Hé, arrête-toi! Elle veut pas s'arrêter. Elle veut pas s'arrêter. Est-ce que j'ai un taser? Non, j'ai pas de taser. Arrêtez-vous, madame! C'est la... Hey, vous allez où, là, comme ça? Oh, oh, oh! Tasez-les! Tase-le! Tase-la, Patrick! Voilà. Allez, arrêtez-vous, madame. C'est fini. Oh! Hé! Hé! Sortir. J'ai pas la matraque, mais je suis même pas équipé aujourd'hui. J'ai pas de matraque, j'ai pas de bâton. Elle va me piquer ma moto. Touche pas à ma moto, touche pas à ma moto. Touche pas à ma moto, ouais ma petite là t'as eu chaud. Voilà, je t'aurais tiré dessus. Elle voulait me tirer ma moto, les gars. Oh bordel, bon, attendez, on va l'arrêter. Parce que là, aïe. Là ça a assez duré la course poursuite, hein. Allez, arrêtez-vous là, reste au sol. Reste au sol. Reste au sol, j'ai dit. Je vais commencer à m'énerver. Oh Patrick, il a mis un coup. Ok, bon. Reste au sol, reste au sol, reste au sol, reste au sol, au sol, au sol, au sol, au sol. Là, je rigole plus, là. Mets-toi au sol, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, mais oh, tu vas nous faire courir comme ça combien de temps, là? Patrick, mets-y les pinces, là. Il est où, Patrick? Ok, j'y... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, mais monsieur, monsieur, oh, 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 monsieur. Arrêtez, arrêtez. Eh, monsieur, monsieur. Oh! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel là? Hey, qu'est-ce que vous faites là? Le pompier, il est... à mon avis, elle a dû faire quelque chose de pas très catholique là. Le pompier, il mettait des coups de savate. Le pompier, il était en train d'y mettre des coups de savate, les gars. Non mais attendez, non mais. C'est quoi cette vidéo là, les gars? Est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo, les petits potes? J'y crois pas, non mais. Alors, attendez. Tac.
Transport. Bon, bah, je peux pas appeler de transport. Bon. Madame, vous êtes en état d'arrestation, hein. Vous allez vous expliquer à la gendarmerie là, sur les faits que vous avez commis, d'accord ? Faudra choper le pompier, par contre, en témoin, parce que à mon avis, il a dû faire quelque chose au pompier, vu comment il s'est dévénère. Bref. Bon, bah, les petits potes, nous, ça va être une fin de service pour nous, les gars. Hein. Ça va être une fin de service, regardez mon wheeling. Hop là, hop là, oh mince, j'ai cassé la barrière. Bon, on va arrêter là, les gars. On va arrêter le massacre ici. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon site, ma boutique en ligne, là, si vous voulez des petits t-shirts pour cet été. C'est maintenant ou jamais, les gars, parce qu'après, ils vont être au prix fort. Hein. Donc, si vous voulez profiter de la promo, c'est maintenant. Donc, on se dit, les petits potes, à la semaine prochaine. Sur ce, soyez prudents. Allez, salut.